Yo tout le monde les gars, c'est Dimix, on se retrouve aujourd'hui sur mon canapé. Enfin c'est un clic-clac, mon pote commence pas à jouer sur les mots. On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo Snapchat parce que vous adorez ça. Alors si vous aimez, on en fait. Et chaque vidéo Snapchat a son thème et aujourd'hui, il y a un choix très crucial à faire. Je vous ai demandé de choisir entre la France et l'Allemagne. Donc par déduction, tu arrives à comprendre qu'on va parler de la demi-finale de l'Euro 2016. Alors je sais que ma communauté est beaucoup plus française que allemande, mais on peut avoir des surprises et je pense vous demander aussi la même question pour Pays de Galles, Portugal. Et donc quand j'aurai ouvert vos snaps, en fait on regardera qui aura gagné. On verra entre la France et l'Allemagne qui a gagné la vidéo Snapchat. En tout cas c'est peut-être pas les demi-finales, mais en tout cas la vidéo Snapchat. En tout cas frérot, si tu veux plus de vidéos Snapchat, n'hésite pas à lâcher ton gros pouce bleu frérot, ça fera extrêmement plaisir. Et on pourra partir, je sais pas, même pour la finale on pourra refaire une vidéo dans ce style là. Donc lâche ton pouce bleu et on va voir si on peut atteindre les 4000 likes. Je vous lance le défi, à vous de le réaliser. Bref, il y a un moment, on parle, mais on veut les snaps. Allez, on commence donc par Val Mpou et qui dit allez la France. Ouais, j'allais dire avec la France, j'allais dire ouais, c'est totalement illogique ce que je dis. Donc ça fait un point pour la France. Ensuite, Joey du 38 qui nous dit allez la France. Je pense une victoire de l'Allemagne 1-0 avec un but d'Ozil et donc c'est le choix de Metz.7. Metz.7, ton pseudo est un peu compliqué à dire. Hein. Ensuite, Omegager. À ton avis, je suis pour la France. Il est pour la France, frérot. Ensuite, Vianney Lens, Pays de Galles, frérot. I don't understand. Ensuite, Louis, qui nous dit allez les bleus, la France va gagner. Ça me rappelle un peu une musique, ça. Bon, je dirais pas laquelle, mais peut-être que vous avez deviné. Maël, qui nous dit la France, pronostic 2-1 pour la France, ou alors ça va au péno. Moi, tant que c'est la France, ça me va. Moi, tant que c'est la France, ça me va. Dodo34BG. Moi, je dis 2-1 pour la France. Moi, je dis 2-1 comme lui. Pour la France aussi. On sent le snap qui était pas du tout préparé, hein. Le mec allait dire allez la France quand il a chanté l'hymne, ils étaient pas chauds les gars. Ensuite Thomas, qu'est-ce qu'il nous dit? Allemagne poteau. Allemagne, ah il nous dit Allemagne. Ah ouais mais moi frère, je vais pas te cautionner moi. En tout cas les frères, je vais pas vous mentir, mais il y a aussi beaucoup d'Allemagne, hein. C'est vraiment serré pour le moment. Théo Dubos. Salut super Dimix, c'est pour te dire allez les bleus, toujours vivants. Ah ouais, le petit cri. Micro Asdeng qui nous dit France poteau, on prend en compte. Alors il a dit je choisis l'Allemagne, désolé la France, 2-1 pour l'Allemagne. Et bah c'est ton choix frérot, c'est ton choix, hein, on va pas t'en vouloir. France, alors le mec était au chiottes, il m'a envoyé le snap, il a dit France allez les bleus. C'est le mec qui m'a le moins respecté là depuis le début des snaps. Louis Poncelet. Ah il avait dit allez l'Allemagne, il a pas parlé hein, par contre hein. C'est pour ça que je rapproche mon micro pour que vous entendiez, mais le mec a rien dit. Il a juste dit allez l'Allemagne avec une petite danse ou je sais pas quoi, j'ai rien compris. Zacharia. J'espère aussi que la France va gagner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas te commencer à te faire une dissertation, argument, introduction, argument, conclusion. Désolé, ici c'est l'Allemagne, je suis désolé, la Mannschaft qui dira tout ça, c'est la Tunisie, tout ça, je peux pas, je suis obligé l'Allemagne. Ok, bon bah, alors c'est Momo qui nous dit l'Allemagne, on prend en compte. Bon les potos, je pense qu'on a ouvert assez de snaps, c'est parti, maintenant on va découvrir le gagnant. Et donc le gagnant, comme on pouvait s'y attendre, c'est la France. Mais bon voilà, on est quand même des Français. Je pense que si un Allemand faisait une vidéo dans ce genre, les Français se seraient vite... on serait bien descendu dans les bas-fonds. Donc frérot, si tu veux voir plus de vidéos Snapchat ou par exemple ce genre de vidéo où vous devez choisir entre des pays, on pourra faire ça pour la finale. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme je l'ai dit, 4000 likes, ça m'encouragerait à vous proposer des vidéos Snapchat. D'ailleurs, si tu veux m'ajouter sur Snap, c'est tout simple frérot, tu ajoutes Super Dimix pour les prochaines vidéos Snapchat. N'hésitez pas à me dire les frérot dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce choix des abonnés. Je vous dis à une prochaine vidéo.